J'avais l'amour de la nature, des animaux, et du coup j'avais un oncle qui était à la Salvetat-sur-la-Goutte, qui était éleveur berger. Et là, j'ai vraiment découvert une passion avec les brebis, les chiens. Donc ça fait une quinzaine d'années que je suis éleveur, dans une zone très garrigue. Ben aujourd'hui, je me retrouve avec un troupeau de 160 brebis en rouge du Roussillon. Alors bien sûr, j'ai pris une race qui est adaptée au fait qu'elle pâture toute la journée sur du parcours. Et l'élevage est assez simple. Hein. Tous les jours, en fait, je suis à la garde avec le troupeau. Et ils consomment que de l'herbe, que des ressources naturelles qui poussent autour de la maison. Alors les parcours sont divisés en trois, on va dire une partie qui est pour l'automne avec beaucoup de ligneux, une partie beaucoup plus herbagère avec légumineuses et plutôt des plantes fourragères, ça c'est pour le printemps lorsque les brebis ont leur agneau. Puis le troisième parcours, ça va être un parcours où il y a énormément de ligneux et ça sera pour l'hiver. Comme on est en zone méditerranéenne assez chaude, à partir du 15 mai, les brebis ont vraiment trop chaud, donc du coup on pratique la transhumance. Alors les partenaires de travail, j'ai deux partenaires qui sont très 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 importants. Alors d'abord le chien de troupeau, hein, de travail, Natouk, qui elle, ben, en fait, elle est là pour m'aider à diriger le troupeau, à le tenir à des endroits bien précis, éviter qu'elle s'échappe. Puis après, il y a le chien de protection, le patou. Alors lui, il est là vraiment que pour protéger les brebis. C'est vrai que quand je me suis installé, j'avais pas une peur ni une crainte, mais en fait, c'est vrai, je me suis plusieurs fois posé la question en me disant ben, ce sera un métier assez solitaire où tu verras plus personne. Je me suis déjà fait la réflexion. Puis en fait, il s'avère que c'est tout le contraire. Il y a un réseau énorme autour de l'élevage pastoralisme. Et d'ailleurs, il y a une association hein, qui s'appelle Empreinte, dont je fais partie. Et il y a énormément d'échanges, de savoir-faire. Pour moi, l'agriculture durable, c'est pratiquer un élevage dans un milieu et s'adapter à ce milieu. Alors, la Rouge du Roussillon, effectivement, est bien adaptée au milieu méditerranéen. Elle arrive à trouver ce qu'il faut, les réserves nécessaires dans la garrigue pour pouvoir élever un seul agneau par an. Bon, ça c'est sûr qu'il y a moins de productivité, mais d'un autre côté, on nourrit pas avec des céréales, on nourrit pas avec de l'ensilage, etc., etc. Et au point de vue morphologie, c'est vrai que la brebis, elle a une pie qui est très bien attachée, assez haut, et du coup, même quand elle allait son agneau, on peut aller sur des parcours et elle ne se blesse pas les mamelles. Mais en fait, la pratique du pastoralisme a beaucoup de vertus puisque déjà c'est pour la qualité de vie aussi des brebis, le bien-être animal, et ça correspond aussi à l'ouverture du milieu, la biodiversité, la lutte contre l'incendie, et ça ouvre des chemins, les randonneurs sont très contents, les vététistes. Le fait de pâturer de l'herbe comme ça, qui pousse naturellement, on n'a pas besoin de matériel, on n'a pas besoin de cultiver. Donc en fait, on est vraiment autonome et économe dans notre exploitation pastorale. Je fais tout en vente directe, c'est-à-dire que je prends mes agneaux, je les amène à l'abattoir, et je les récupère en caissette et je livre à des gens. Donc en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'être à proximité de la ville pour la vente directe, mais quelque part aussi dans un milieu où il n'y a pas d'élevage. Et c'est un milieu qui est pas utilisé, quoi. Personne ne le valorise parce qu'il n'est pas cultivable.
du fait qu'il y a énormément de relief. Alors moi, mon rêve d'agriculteur, mais ça serait en fait de devenir berger nomade, itinérant.